Aline. Aline, montrez-vous. Ah oui, je l'entends. Donnez-moi un signe. Oh. Elle se frotte. Quel âge avez-vous? Aline. Spirit, elle répond. Oh, le chat. Le chat. Donc, toujours en cauchemar. Sur une petite maison cette fois. Bonjour. Miroir. Oh, prenez des photos. N'oubliez pas les photos, l'argent. Oh, safe spot à la cave. Par contre, je crois qu'il a fait bouger des trucs en bas. Oh là là, putain. Qui c'est qui prend des photos? Moi. Deux étoiles, Clément. Putain. Putain, Clem. Putain. Putain. Tu es l'expert photographe, normalement. Ton chien. Il est où le reporter, là? Il est où le géré? J'ai envie de moto-flagellée, là. Tu vas aimer ça, Clem, arrête, tu sais. God loved it. J'ai pas trouvé le compteur, il est pas garage, il est pas cave. Ah, mais si, il est dans le garage, t'es aveugle. Ah ouais, bah je suis aveugle alors. Os, j'avais tout... couloir. Mes pages... on a un safe spot aussi dans le petit couloir. Ouais, t'as vu, ça craque au premier étage. L'os, il est là. 3 étoiles, c'est bien, Clem. Tu progresses. Yes. Ah, j'avais une lumière de contre-jour qui faisait. J'avais l'impression que c'était l'orbe. Le contre-jour de nuit. De la nuit, ouais. Le fameux. De la vision le de contre-lune, le du coup. Le contre-éclipse. 5,2, salon, 1,6. Je me disais, si ça grince là-bas, c'est forcément dans une pièce qui est pas loin. Il est là. J'ai que dalle, je vais te mettre une caméra sur la cheminée. J'ai pas l'impression d'avoir d'or pour l'instant. Ah oui, un tableau qui est tombé là. Ah, ah démon. Oh, comment j'ai eu peur. Il m'a roté dans l'oreille là. Putain. T'es mort? Fils de rage, j'ai eu peur. Il a despawn au moment où j'ai pris la photo, le sac à merde. Ah d'accord, mais lui c'est pas les... On se bat pas pour les mêmes choses. Oh la vache. Bon allez, go, caméra, DOTS, lampage-pum, c'est parti. Êtes-vous vieux? Attendez, je vais mettre des crucifix, hein, mais... Oh, ah, il a parlé. Il a parlé. Ouais, j'ai entendu la spirit. My spirit, oh. Vous croyez qu'il boit du white spirit? Je sais pas. C'est bizarre tes questions. C'est le mec. Eh, t'es chelou, toi. Il est chaud, votre pote. Eh, t'es bizarre, là. T'es un peu bizarre, quand même. Mettre du sel aussi. La vue d'ensemble, il faut l'empêcher de chasser avec un crucifix et faire en sorte qu'il éteigne la bougie. Ok, bon, là, on peut faire la bougie, déjà. Sur ton chemin. Voilà. J'ai jamais eu les paroles, d'ailleurs. Hein. C'est vraiment nul. Voix sur personne n'a les paroles, de toute façon. J'ai voix sur ton chemin, et après, bah, j'ai jamais su. Gamins oubliés, égarés, ah. Donne-leur la main. Putain, la rêve, quoi. Pour les mener vers notre genre de... Oh, Jurax qui débarque, quand même. Et là, ça part en comédie musicale. Laisse-moi t'aimer. Nous, on avait... les éléphants en partie, hop là. Nous, on avait les paroles. C'est quand même bien fort, les gens qui ont dû l'apprendre à l'école. Hein. Ouais, mec. Bah, le film avait été un sacré truc à l'époque, hein. En France. On a pas fait un concert là-dessus, en primaire. Ah, la bougie a été éteinte. Parfait. Go tout le monde, pilule. Normal, c'est bon. Sauf Gigic. Et privé de dessert. Je comprends pas, j'ai l'impression de voir de la pluie sur la caméra, alors qu'on est à l'intérieur. Ouais, il pleut, ouais. Bah, il pleut dehors, mais ça, c'est l'infiltration d'eau, ça. Non, mais il pleut, Gigic. Quelqu'un a activé un encens? Bah, il y a un encens qui est cramé. Alors, moi, j'ai allumé une bougie, et de temps en temps, j'ai l'impression qu'il y a un bug. C'est-à-dire que t'allumes la bougie et t'allumes l'encens qui est à côté. Et je pense que du coup, en allumant la bougie, j'ai allumé l'encens. Du coup, j'arrête d'allumer les bougies parce que j'ai l'impression que, je sais pas, depuis leur mise à jour, on a une portée genre. En fait, ton briquet, c'est un lance-flamme. Hein. Ah, vas-y. Il a écrit. Ok, ah ouais, donc on en a deux. C'est bon, on en a deux. Esprit, poltergeist ou cauchemar? Alors, esprit. Non. Vrai, esprit. Oh, esprit, tu rentres, il tabasse fort, et là, il a mis du temps, on a cherché partout avant qu'il réagisse, alors qu'en plus, il est juste à l'entrée. Moi, je suis en mode poltergeist ou cauchemar. J'ai esprit, quand même. Lequel se fait attaquer pour voir s'il a plus vite? Pourquoi? Parce que, justement, peut-être qu'il est territorial, et donc, du coup... Mais territorial, je suis d'accord. Deux fois. Oui, mais normalement l'esprit, tu débarques à côté de chez lui, il commence à faire grincer le MF, quoi. Là, putain, rien. Je sais pas. Normalement, c'est... Après, j'ai eu MF4, moi, pas 5, mais 4. Pourquoi vous me mettez pas des capteurs sonores et des choses comme ça pour que je vous dise un petit peu comment ça bouge? Ouais, c'est vrai, regarde. Ça, hein. Pourquoi? Non, mais je sais pas, je dis ça, c'est les seules choses qui me restent. Allez-y. C'est tout ce qui me reste, putain. C'est gentil. Tu as une maison toute équipée, là. Yeah. C'est bien Clem qui se balade toujours, moi. Je me sens mieux. Mais j'adore faire ça quand tu passes à côté de moi, parce que je peux voir le replay, quoi. T'attends le gag, en fait. Ils sont puissants, mais passifs, et attaquent seulement lorsqu'ils sont obligés. Là, sans qu'ils sont menacés. Oh, putain. C'est quoi? Mais t'es fou, toi. Oh, mais c'est trop, mec. Oh. Mais t'es un malade. Mec, là, tu m'as fait... Mais genre, là, je suis tétanisé, quoi. Genre, j'étais en mode... Mais ah, oui. Il est fou, lui. Putain.
Mais il est complètement malade. Ah là, là tu m'as fait beaucoup trop peur là. Tu vois, Canorin dit je me suis figé sur place, mais moi pareil, hein, j'ai tiré une gueule là. Alors par contre, le poltergeist, s'il a rien à jeter, il est très affaibli. Alors est-ce qu'il a des choses à jeter? Ouais, il a des bougies, des tableaux, des trucs. Ouais, ok. Donc c'est pas un poltergeist. Non, on va lui jeter on va lui mettre plein d'objets là-bas pour voir comment il réagit. Ouais, les esprits sont des entités très banales, ils sont puissants mais passifs et attaquent seulement lorsqu'ils y sont obligés. Ils défendent le lieu de leur décès coûte que coûte, tuant quiconque abuserait de leur hospitalité. Et tu vois, alors ouais, moi je... Non, fait, bon, après, je... On a fait des parties là où les esprits défendaient vraiment leur lieu, genre... jusqu'à la mort, mais... Alors écoutez, c'est un esprit. Vous savez pourquoi? En fait, l'EMF... C'est une preuve qui est probablement cachée par l'esprit, et quand tu rentres dans une salle, l'EMF s'allume. Les EMF ne s'allument pas. Et je suis en mode, quand je clique, c'est esprit. Ah. Je vois les empreintes de pas qui spamment depuis tout à l'heure. Je suis en mode, pour moi, c'est un esprit. Et du coup, je suis d'accord avec vous. Alors, les esprits sont très affectés par les bâtons d'encens. Ah oui, mais ils en ont, à part brûler un... Pourquoi t'allumes de... Que s'ils sont affectés par les bâtons d'encens, si là t'attends 3 minutes qu'ils n'attaquent pas, esprit. Mais est-ce que là, il est... On a même pas notre santé mentale qui est descendue. Ouais, voilà, faut attendre d'avoir la santé mentale hyper basse. Faut attendre qu'il ait au moins lancé une chasse. Info sûr, esprit. Mais non, mais... Il y a des crucifix par terre, il a allumé le truc, il a fait... Eh frérot... Honnêtement, esprit. Je pourrais rester ici, attendre 3 minutes, ça change rien. Esprit, et là il m'attaque et ça. Bon, alors moi je pense théoriquement, c'est juste que putain, l'EMF ne réagit pas du tout. Je pense que c'est une preuve cachée. Et donc en tant que preuve cachée, il s'agirait du coup d'un esprit. On a mis des objets, il les jette pas. Donc moi, poltergeist, j'éloigne, cauchemar, non, il éteint pas la lumière, il s'en bat les couilles. Bon. Donc bon, esprit. La preuve cachée de Tommy au EMF5, c'est pas le EMF4 de Tommy qui devait être un 5, je pense, ouais. Anthony Robinson attaqué. Anthony. Robaki. Frappe-moi. Anto. Fais-moi mal. Je t'ai volé. Je suis pas actif du tout. Hein. Je t'ai volé ton argent de poche quand t'étais en CP. Les sonneurs, ils sont au plus. Allez, Anto. C'est moi qui ai volé tes chips. Attaque, putain. C'est en fait. J'ai. Non, il attaque pas. Putain, mais t'es fou, toi. Mais qu'est-ce que tu fais là, Maqué? J'aurais dû prendre des lances de l'encens, moi. J'ai pas fait ça. En fait, t'as bien fait de venir. Attends, ouais, on va faire la chicha dans le placard, mais il faut que j'aille chercher de quoi faire. Pas de cauchemar. Il a acheté des trucs là ou pas? Wesh, qui c'est qui a activé le piano par contre? Ah, il a changé de pièce. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, il n'y a plus rien qui s'active dans la pièce. Okay. J'ai plus aucun. Détecteur. Le piano. Ah! C'est bon, je l'ai exorcisé. Ouais. Mettez un truc à droite ou à gauche. Là, un peu à gauche, mettez le crucifix à droite. Je vais lui apprendre à jouer. Arrête, putain, il est con lui. Et imagine un yokai, tu joues du piano à côté de lui, tu crois ça le rend vénère? Peut-être qu'il va juste chanter. Oh, j'aimerais tellement qu'il rajoute ça. Il arrive, c'est content, c'est le printemps. Par contre, le capteur de son doit toujours le prendre. Oh là, fils de... Oh le bâtard, c'est ce bruit. Oh le fils de... Mais ils font de ces bruits. Mais t'as encore fumé ta moquette. J'y vais plus. Oh là là, mais ils font peur, hein. J'y vais plus. Eh, les fantômes, c'est plus ce que c'était, hein, ma bonne dame. Vas-y, attends, go, on continue. Quoi? Bah non. Taille. Arrête de faire ça toi par contre. Ça attaque pas dans le noir non plus. Je sais pas. Mais ça, il attaque juste pas du tout en fait. Ah mais on a utilisé de l'encens. Bah oui. Mm-hmm. Tu t'es sauvé avec de l'encens. C'est un esprit. Ah oui, j'ai eu peur, j'ai pas nié. Bah oui, bah il est pas réapparu depuis tout à l'heure. Regarde, on traîne alors qu'on a plus de santé mentale depuis longtemps. Allez hop, ouais. Esprit. Alors du coup, il faudrait remettre le crucifix pour valider. Quelqu'un a de l'encens? Qui a de l'encens? Moi. Ouais. Ok, tu restes à l'entrée. Je vais prendre l'encens, je vais reprendre une croix, je vais la remettre et après on va faire la chicha là-haut. C'est parti. I got the power. Ooh. Voilà. C'est ici. Et pour moi, il est plus dans cette pièce. Je sais pas. En tout cas, les 3 minutes de l'encens là, quand même, ce serait pas mal, hein, parce que regarde, toujours pas là. Hein. Viens, Clem, on va là-haut. Ah non, tu peux pas le déclencher parce que le truc, c'est qu'il faut qu'on l'empêche de chasser avec un crucifix. Le capteur sonore s'emballe. S'emballait. Ah oui, d'ailleurs, le capteur sonore, dis-nous, il parle où là? Il est où le capteur? Le capteur, il est bien dans là, la salle. Il est à zéro, mais tout à l'heure, il était à 100 quand vous étiez au piano. Je pense que là, on a la preuve que c'est un esprit. C'est bon. Maintenant, il nous faut juste le crucifix. Le capteur sonore, il serait un. Attends, j'y vais. Je vais quand même essayer de ramener le miroir avec moi. Hop, à moi. L'essaye peut-être juste pas dans le. Dans t'es le prêt? Ouais. Là voilà. Ah, 100%. Viens, partons. Éteins la lumière.
placard. Oui. Et bah, il est tout près de la cheminée. Bah oui, il est. Il monte, il monte la porte. Putain, mais t'as pas fermé la porte. Mais je croyais que t'étais derrière en fait. Ah ouais. T'as pas fermé la porte. Ouais, l'endroit. On est morts tous les deux, putain, c'est vrai, on est en suicidaire. Eh oui. Ah putain. Ah ouais, d'accord. Et en redescendant, il a cassé des trucs. Bon bah, on ferme. Allez. Ah, en chasse maudite, hein. Mais c'est pour ça, j'aurais jamais dû écouter le truc. Chasse maudite. Et il va te chercher. Il insiste plus. Non, mais la technique était bien, on aurait dû attendre. Vous aviez tous coché quelque chose parce que. On a fermé sans. Ah, yes, si, esprit, voilà. Esprit. Eh bien. Bien joué. Non, mais c'est quand Tommy il a paniqué, qu'il est parti, et qu'on a eu un grand moment. Il a paniqué, hein. Mais On a eu un grand moment de calme. Et c'est là, c'était les fameuses 3 minutes. Parce que clairement, là, on était, notre santé mentale, elle pouvait plus chuter. Et à ce moment-là, j'étais en mode ça, c'est un esprit. Quoi. Qu'on tourne un peu tous.